Ici. Voilà Gwenaël Monneret, Mathieu Alex et Sylvain Vidal. Qui vont suivre avec attention la vente d'Avenir Classique, un fils de Raj Zaman justement, et Avenir Certain qui a été élevé au ex-Ara de la Covinière, désormais appelé Ara de Montfort et Préau. Où fait la montre Raj Zaman le père. Avenir Certain, bien sûr, double lauréate classique, celle dans le Diane et dans la poule d'essai. 25 000 euros. Ici des acheteurs venus de Scandinavie. 35 000 euros, rien à droite. I had 37 here, sir. J'avais 37 en face. 42 000 euros, 45. J'avais à droite 45. 45, c'est dans le couloir à côté de nous. 55 000 euros, 55 000 euros, 55 000 euros, 55 000 euros, 60 000 euros. L'équipe du Ara de Montfort et Préau qui défend ce poulain de Raj Zaman, qui est déjà nommé, qui s'appelle Avenir Classique, son premier produit de Java Jazz, une fuite de Singspiel. À 70 000 euros, 75 000 euros, c'est pas en face. La famille d'Avenir Certain, de Cap Vérité, de Memas, de Queen's Trust, 80 000 euros. Java Jazz a été élevé par Rabat Bloodstock. Elle est restée inédite. Cette année, elle a eu une femelle de Le Havre qui s'appelle Avenir Rose. Et donc, Raj Zaman, voilà, plutôt, nommé Avenir Classique, qui a été élevé par Elisabeth Vidal. À 90 000 euros, le marteau se lève. À 90 000 euros, on adjuge. Solène, votre enchère, monsieur Sylvain Vidal. Merci.